Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous sommes mercredi, c'est la recette des copains. Vu qu'on n'est pas à l'école, normalement on ne peut pas voir les copains. Mais heureusement, notre copain est venu à la maison. On invite chez nous aujourd'hui, Lélio. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. T'as fait quoi de ton confinement? On a joué, on a fait de la moto, on a cuisiné. Et toi? Nous, on a cuisiné, on a créé notre compte et... On a passé à la télé avec surtout son cuisine. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. On va faire des tuiles de moutarde avec deux petites sœurs de moutarde. Pour... Vu que dimanche, c'est la fête des pères, il pourra les déguster avec une petite bière. Mon papa aussi, il aime bien boire ça. Vous avez un peu de riz? Un peu de moutarde? L'affaire est dans le sac. Alors nous, on a choisi deux moutardes. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe lesquelles. Nous, on a pris de la moutarde de Dijon et de la moutarde au poivre noir de Penja. Je vais mettre la moutarde au poivre. Je mets tout le poivre. Et nous, on va mettre de la moutarde nature. Deux cuillères à soupe chacun. Maintenant, on va mixer bien sûr séparément pour avoir deux pâtes bien homogènes. Je mets déjà 4 cuillères. Ça y est, nos pâtes sont prêtes, on va pouvoir construire nos tuiles. Pas beaucoup, hein, faut juste faire des petites boules en fait. Les grosses maintenant. Je vais recouvrir avec du papier surfrisé et on va aplatir. Vous voyez un peu la forme quand même, comme ça s'étend. Voilà, nos tuiles sont bien aplaties. On va faire notre petit ingrédient secret. On va parsemer quelques petites graines de moutarde. Et c'est Lélio qui va commencer. C'est pas obligatoire, mais c'est pour faire un peu plus joli. Là, c'est bien beau d'avoir des tuiles avec des graines tout ça dessus, mais il faut bien enfourner au bout d'un moment. Le four d'ailleurs a été préchauffé à 190 degrés pile. Allez, on va enfourner pour 15 ou 10 minutes. Les gars, je vous lance un petit défi. Mangez une cuillère de moutarde, juste comme ça. Ça marche. Ça marche. Ça pique beaucoup. Donc voilà, c'est terminé. Donc on a laissé un tout petit peu plus longtemps dans le four pour que ça soit plus croustillant. Donc on a bien fait, c'est bien croustillant. À côté, elle croustille bien. Très bon. Moi j'ai au poivre. Pour le goût, ça sent encore plus le poivre que la moutarde. Et ça reste longtemps en bouche. C'est ça le truc. C'était très bon. C'était bien croustillant. Et moelleux à l'intérieur. Ouais. On sentait bien le goût de la moutarde. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On vous souhaite un très bon mercredi à tous. C'était Oscar, Félix et Lélio, les copains Graines de Dijon. Salut à tous. Au revoir. Et bon apéro. Bonne dégustation. Bonne dégustation.